Salut à tous et à tous un russe. Je m'appelle Diana et j'ai une chaîne YouTube ainsi que plusieurs réseaux sociaux sur le russe et sur la Russie. Mes abonnés me demandent tout le temps s'ils peuvent toujours se rendre en Russie. Dans cette vidéo, je vais expliquer si vous pouvez aller en Russie en ce moment. Petit spoiler, oui, c'est possible. Et surtout, je vais expliquer comment le faire en partageant avec vous l'expérience de mes abonnés qui sont allés récemment en Russie. Récemment, c'est... En 2023. Plus précisément, je vais partager avec vous l'expérience de 8 personnes avec des profils différents. Par exemple, il y a des gens qui ont un visa business pour aller en Russie, un visa touristique, un visa étudiant et un visa privé quand ils sont mariés avec un ressortissant russe. Voici les points que nous allons partager dans cette vidéo. Premièrement, mes abonnés vont vous raconter quel type de visa ils ont eu quelles démarches ils ont fait pour avoir ce visa, les papiers nécessaires, ils vont vous raconter s'ils sont passés par une agence pour obtenir un visa ou s'ils ont obtenu le visa tout seul auprès d'un consulat. Également, ils vont vous parler de la durée du visa qu'ils ont obtenu. Ensuite, nous allons aborder la question des recherches de vol, parce que je sais qu'en ce moment, ça peut vous paraître compliqué, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste savoir s'y prendre. Ensuite, euh, vous saurez les dates de leur séjour. Les dates de séjour, ce c'est toujours en 2023. Mes abonnés vont également vous raconter comment s'est passé leur vol, leur vol avec Escale, parce qu'il n'y a pas de vol direct en ce moment. Aussi, ils vont vous raconter comment était le contrôle aux frontières. Aux frontières de leur pays de départ, et également, je sais que ça vous intéresse beaucoup, le contrôle aux frontières hein, à la douane russe. Et ils vont également vous raconter comment ils ont été accueillis et perçus par les Russes en ce moment. Commençons par le témoignage d'Aurélien qui a été à Moscou en mai 2023. Aurélien est parti avec un visa touristique et il a tout préparé lui-même. Aurélien a eu la gentillesse de m'envoyer des messages vocaux que je vous propose d'écouter maintenant. Mon visa était un visa touristique d'une durée de 30 jours qui allait exactement du 15 avril au 14 mai. Alors, bien entendu, on ne peut pas arriver avant le 15 avril, dans mon cas, et je ne pouvais pas repartir après le 14 mai. Par contre, bien entendu, je peux arriver après la date de début du visa et je peux repartir avant la fin sans aucun problème. Au sujet des documents pour se rendre en Russie et préparer son visa, il faut le passeport, il faut la photocopie de la page du passeport avec les informations personnelles, il faut une lettre d'invitation ou autrement dit un il faut une photo d'identité qui date de moins de 6 mois, le formulaire officiel de demande de visa. Et une assurance qui couvre la totalité du séjour. Alors, pour obtenir la lettre d'invitation et l'attestation d'assurance, cette fois-ci, pour 2023, j'ai eu recours aux différents services qui étaient proposés par une agence de visa, mais je sais qu'en 2021, j'avais fait tout seul, notamment en ce qui concerne l'attestation d'assurance. Je sais qu'il existe un lien direct sur le site Russia Visa Centre, je pourrais joindre le lien sans aucun problème. J'avais utilisé ce lien qui était mis à disposition, mais l'assurance qui était délivrée à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Comme je n'ai eu aucun souci, pour mes deux demandes au niveau de l'assurance, en ce qui concerne la lettre d'invitation, à part en passant par une agence de voyage ou une agence de visa, j'avoue que je ne sais pas à l'heure actuelle comment faire. Pour ma première demande, j'avais réservé un hôtel moi-même. L'hôtel m'avait envoyé un document de réservation que j'avais joint à la demande de visa et il n'y avait, avait eu aucun problème. Malheureusement, depuis les sanctions vers la Russie, on ne peut plus réserver avec une carte bancaire, on ne peut plus effectuer de virement. En ce qui concerne les documents et les démarches, lorsque l'on est en Russie et que l'on choisit de rester plus de 7 jours ouvrés, il faut s'enregistrer. Alors, normalement, vous n'avez rien à faire. L'enregistrement est fait soit par l'hôtel qui a déjà toutes les informations nécessaires, la photocopie de passeport, ils ont normalement tout et euh, s'occupent de tout. Si vous êtes chez un particulier en loin d'un appartement, c'est la même chose, la personne s'en occupe, mais il peut être utile d'envoyer à la personne euh, la photocopie du passeport, ou du moins une photo, euh, ainsi qu'une photo du visa, car euh, la personne aura besoin des dates de, de la durée du séjour pour remplir le document euh, d'enregistrement. J'ai décollé le samedi 15 avril de Paris, direction Belgrade, puis après une escale, euh, j'ai pris l'avion pour chercher pour rejoindre Moscou, pour chercher euh, les vols, j'ai utilisé principalement Google Flight. Je savais, en ayant recherché un petit peu, qu'il y avait trois options plus récurrentes, plus simples, qui étaient euh, Yerevan en Arménie, Belgrade en Serbie, et Istanbul, ou une ville de Turquie comme Ankara ou Antalya, qui a certains vols directs vers Moscou notamment. En ce qui concerne le troisième point, comment s'est déroulé le vol ou les vols Ils se sont déroulés sans aucun problème. En ce qui concerne les contrôles aux frontières, donc depuis la France et en Russie, les contrôles étaient exactement les mêmes que fin 2021, avant le conflit. Je pense qu'il suffit d'être respectueux et poli et les contrôles se passent sans accroc. Je n'ai eu en tout cas aucune remarque sur le fait que j'étais français, sur le fait que je venais de France et que je me rendais en Russie, dans ces circonstances un peu particulières. Là-dessus, rien à craindre, je n'ai vraiment eu... Aucune remarque. Et en tout cas, chaque fois que j'ai eu besoin d'aide pour rechercher un produit, voyant que j'étais euh, étranger, ils ont toujours été très disponibles et ils ont toujours été très gentils, ils m'ont toujours aidé. Je n'ai jamais eu de souci par rapport à ça. Euh, dans les points importants, je n'ai pas du tout ressenti de, de crainte, de peur, euh, d'angoisse, de climat anxiogène. Euh, au contraire, je me suis senti très bien là-bas. J'ai passé des, des très bons moments, j'ai pu visiter, avoir des discussions intéressantes. Le témoignage suivant, c'est celui de Martin, qui est allé en Russie en mai 2023. Il a obtenu un visa business auprès d'un centre de visa spécialisé. C'est pas un centre de visa du consulat russe ni de l'ambassade de Russie, mais c'est un centre de visa qui propose leurs services. Et Martin, elle a obtenu un visa business. Il a été en Russie du 8 avril jusqu'à 22 avril. Martin est allé avec la compagnie aérienne Flyvan. Il déconseille d'utiliser cette compagnie. Il dit que c'est un cauchemar intégral. D'ailleurs, je connais aussi des personnes qui ont essayé de voler avec Flyvan et c'était également une catastrophe. Des vols étaient retardés. Il y a eu des problèmes avec le remboursement de vols parce que des vols étaient annulés. Il n'y avait pas d'autres vols. En gros, si vous avez la possibilité d'éviter Flyvan, je vous conseille d'éviter. Flyvan. Martin nous dit également qu'il n'a rencontré aucun problème aux frontières. Il dit que l'atmosphère était très calme et détendue, tout était paisible. Certains produits sont un peu plus chers, mais sinon pas de choc particulier. Oui, certains produits sont plus chers avec l'inflation, mais il faut savoir que en ce moment le taux de change d'euros par rapport au rouble est assez élevé. Euh, moins de magasins de change qu'auparavant, certains ont été fermés, tout simplement. Du coup, pensez à changer des euros en rouble. Pour le voyage, je conseille la liaison via Yerevan, Transavia et euh, compagnie russe low cost. Voilà, ça c'était l'expérience de Martin. Et je sais que Martin, il fait souvent des voyages en Russie et il a quasiment toujours eu des visas business. Le témoignage suivant a été fourni par Sabrina. C'est une femme française, mais elle a préféré que je change son prénom. Elle s'appelle autrement, mais on va l'appeler Sabrina. Alors, voici ce que nous dit Sabrina de son voyage en Russie. J'ai fait une demande de visa de tourisme, six mois, multi-entrée à l'ambassade de Russie en France, en passant par une agence de visa. J'ai dû fournir mon passeport, des photos d'identité, une assurance voyage pour la Russie, remplir le formulaire de demande de visa, et j'ai payé un supplément pour que l'agence fournisse un voucher. L'obtention était assez rapide. Ça a dû mettre 2-3 semaines. Concernant les recherches de vols. Pour les trajets, j'ai regardé sur Google Flight qui prend en compte les vols vers la Russie contrairement à d'autres sites et qui fait un beau comparatif de prix. J'ai pris deux vols low cost avec escale à Istanbul, Pegasus Airlines. Sabrina était partie en Russie en mars 2023. Concernant le contrôle aux frontières, aucun souci au départ de la France et au départ d'Istanbul et aucun souci en Russie non plus. C'est assez rapide. Ils sont très gentils. Il demande parfois la raison de l'entrée en Russie, dans mon cas le tourisme, c'est un passage de frontière normale. J'étais à Moscou et si la question est par rapport au contexte actuel, je vois pas de différence avec une autre capitale d'Europe. Bien sûr qu'on voit des clins d'œil au contexte à certains endroits, affiche par exemple, mais c'est tout. Le témoignage suivant a été fourni par Sébastien qui est allé en Russie en janvier 2023 et qui y va pour trois semaines en juillet-août 2023. Sébastien a eu un visa privé parce qu'il est marié avec une femme russe. Voici ce qu'il nous dit à propos de son voyage. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme russe. Euh, donc, je demande un visa privé euh, qui est valable euh, un an. C'est à savoir qu'on peut aussi le réduire à trois mois ou moins, suivant euh, bah, forcément ce qu'on te demande. J'ai demandé en multi-entrée, on peut demander en simple, en double entrée. Euh, il me semble que le prix change euh, par rapport à ça aussi. Donc moi, j'ai payé à peu près 130 euros euh, en juin pour un mois de délai. Et on peut le faire aussi en accéléré, mais il faut payer un peu plus. Justement par rapport à ça, avant, j'avais fait une demande en accéléré pour un visa euh, touriste à Strasbourg. Et je l'avais eu le lendemain. Donc, j'étais pas marié à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais fait ce genre de, de visa, qui sont voilà trois mois en simple en double entrée. Moi, j'avais demandé des double entrées. Euh, sinon, les démarches sont très simples, que ce soit pour visa privé ou touristique. Euh, juste aller sur le site d'Émis, remplir le formulaire. On peut euh, le sauvegarder en cours de route et le reprendre plus tard. Il euh, n'y a pas de problème. Il faut y apposer Donc, après l'avoir imprimé, une photo qu'on peut prendre dans un photomaton. Il y a aucun souci. Euh, moi, j'ai toujours fait comme ça. Euh, et y joindre euh, donc son passeport forcément tu, et tout justificatif euh, suivant le type de visa. Donc moi, par exemple, pour le visa privé, je donnais, euh, en tout cas, je montrais un acte de mariage. Voilà. Et puis, bien sûr, une assurance euh, qui est obligatoire donc pour les courtes durées je conseille donc d'utiliser sa carte de crédit c'est facile et c'est simple. Par contre, euh, toutes les cartes de crédit n'ont pas ce genre d'assurance, donc il faut bien vous renseigner. Moi, j'avais justement cette assurance qui couvrait le minimum de frais requis. Euh, donc, c'était vraiment parfait pour moi parce que je ne devais pas payer une assurance externe. Par contre, pour mon visa privé euh, qui est de plus de trois mois, donc qui est un an, on ne peut pas passer par une assurance euh, sur une carte de crédit parce que c'est un séjour de trois mois maximum. En tout cas, moi, ma banque c'était comme ça. Donc, euh, j'ai opté pour une assurance euh, russe, tout simplement. Euh, c'est ma femme qui a trouvé ça euh, et je paye à peu près 100 euros pour 90 jours euh, passés sur le territoire russe sur un an. Voilà, donc en fait on peut piloter justement le nombre de jours sur une année et payer plus ou moins cher, suivant euh, bien sûr ce que vous cherchez. Concernant donc la recherche de vols, j'utilise Aviasale, c'est une bonne plateforme qui propose justement des vols, euh, par exemple Paris-Moscou, euh, avec euh, des bonnes correspondances, etc. Et justement il y a un bon filtre euh, qui permet justement de, de sélectionner euh, des avions. Euh, par contre il me semble que tout est en temps russe, euh, mais il euh, n'y a pas forcément de complexité à ce niveau-là. Après moi, euh, de mon côté, une fois que j'ai sélectionné euh, certains vols, je me dirige euh, directement vers euh, le site officiel de telle ou telle compagnie aérienne, et comme ça euh, j'ai... En tout cas, j'aurai moins de problèmes par rapport à des remboursements futurs s'il y a des changements, etc., ou des annulations. Je suis personnellement allé trois fois en Russie. La première fois, c'était en septembre 2021 pour un mois, puis en décembre 2021 pour deux semaines, ensuite en janvier 2023 pour deux semaines encore, et là, j'y retourne fin juillet pour trois semaines. Sinon, le principal défaut, je dirais maintenant, c'est les correspondances qui sont assez laborieuses. Donc, il faut bien faire attention au choix de la compagnie aérienne. Il y a des compagnies aériennes. Quand on regarde, par exemple, sur Aviasales, c'est deux compagnies aériennes différentes, et donc il faut par moment prendre sa valise, sortir de la zone et re rentrer et ça prend énormément de temps, surtout sur un aéroport du type à Istanbul, où c'est un aéroport extrêmement grand. Et par contre, bon, c'est assez facile de s'y retrouver, mais il est très grand, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc entre les deux vols, il faut au moins trois heures, je pense. Concernant le contrôle aux frontières en Russie, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème. En janvier dernier, je suis passé dans les premiers parce qu'il y avait deux files. Il y avait une file pour tous les passeports étrangers et une file pour les passeports russes. Euh, donc je suis sorti euh, le premier mais euh, sinon il faut quand même connaître euh, quelques mots en russe, au moins pour euh, la politesse euh, et euh, s'ils si ont des questions, ils vont les poser en russe et ils vont pas faire l'effort de parler en anglais du moins ça dépend euh, les personnes à qui on a affaire il y en a certaines, ils font l'effort quand même mais euh, c est, c est, je vais dire quand même que c'est assez rare donc il faut quand même connaître euh, quelques mots en russe euh, pour ça l'attitude des russes envers moi, je dirais que c'est vraiment un peuple qui est avenant, gentil, euh, à chaque fois que j'ai eu des problèmes on m'a toujours aidé euh, et surtout l'administratif, euh, je pense que c'est des personnes qui, du moins qui essayent de se mettre à notre place pour la plupart, bien sûr, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais comparé à en France, je dirais que vraiment les, les différents problèmes que j'ai fait face, on a toujours trouvé une solution ensemble. Et c'était vraiment, et les gens ils étaient vraiment gentils, et avenants et curieux aussi de pourquoi on venait en Russie, etc. Surtout avec, on va dire, la situation actuelle, et ils étaient encore plus curieux de qu'est-ce que l'on pense de eux vis-à-vis -vis de, de la situation actuelle. En conclusion, pour moi, le peuple russe, c'est vraiment un peuple qui est gentil, qui est là pour aider, qui veut aider surtout, et qui une fois qu'ils nous ont aidés, ils sont encore plus contents parce qu'ils nous ont aidés et ça je trouve que c'est une qualité qui est rare, euh, en tout cas de nos jours donc voilà, en tout cas je, je vous conseille d'aller en Russie parce que c'est un très beau pays et les gens sont, sont extraordinaires J'aimerais également vous partager l'expérience d'Olivier qui est allé en Russie en juin 2023 Je me suis rendu en Russie en juin 2023 pour un voyage touristique La première et principale aujourd'hui difficulté est la réservation et le paiement de ce jour Jusqu'à présent je me débrouillais seul, mais ce n'est plus possible, sauf à connaître quelqu'un sur place, car les sites de réservation occidentaux ne travaillent plus en Russie, et le paiement par carte bancaire n'est plus possible. Je suis donc passé par une agence de voyage, qui a un bureau à Paris et un autre à Moscou. Ils ont donc réservé pour moi les vols avec Turkish Airlines, ce qui peut se faire directement et surtout un vol intérieur sur Aeroflot. Aeroflot, c'est une compagnie aérienne russe. Les hôtels et les taxis en Russie. J'ai pu régler l'intégralité en euros auprès de l'agence parisienne. Cette agence s'est également chargée des formalités de visa touristique pour 15 jours. Les formalités pour l'obtention d'un visa n'ont pas changé. Pour se rendre en Russie depuis France, avec une escale à Istanbul, parce qu'il n'y a pas de vol direct en ce moment. Olivier est passé par la compagnie aérienne Turkish Airlines. Euh, voici ce qu'il dit à propos des contrôles à la frontière. Formalité de douane à Moscou sans difficulté. Ayant obtenu les visas, le contraire aurait été surprenant. Jusqu'à présent, toutes les personnes n'ont rencontré aucun problème aux frontières. Olivier souligne que le recours à une agence est une véritable aide aujourd'hui en raison de difficultés de paiement. Étant obligé de payer en liquide, il faut pouvoir changer. Attention aux heures et jours d'arrivée, la plupart des banques sont fermées le week-end Le fait d'avoir réglé l'hôtel et les transferts en taxi depuis la France via l'agence de voyage est une véritable aide Prévoir de partir avec quelques milliers de roubles depuis France Les prix ont augmenté, mais Olivier nous dit qu'on peut bien manger pour 1500 euros, ce qui équivaut à environ à 15 euros tout comme les intervenants précédents, Olivier nous dit qu'elle a été bien accueillie en Russie et qu'il n'a pas eu de problème parce que dans des messages sur Instagram par exemple, on me pose souvent des questions, comment sont vus les Français, les étrangers en ce moment en Russie et je réponds sans cesse que en fait les Russes aiment bien les étrangers. Ça fait plaisir aux Russes quand les étrangers viennent en Russie. Et les Russes, ils seront toujours très gentils avec vous, ils seront curieux pourquoi vous venez en Russie, et ils seront trop contents de vous accueillir, ils seront trop contents de vous montrer leur hospitalité, surtout en ce moment quand il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers. et Même si vous parlez un tout petit peu russe, si vous connaissez quelques phrases de politesse, les Russes seront très contents et ils vont pas vous juger si vous parlez pas le russe. Olivier nous donne également un conseil concernant l'argent liquide. Il faut bien faire attention à ne pas emporter de coupures 1 euro abîmées, scotché ou marquées. Il y a parfois des marques de stylo ou de feutre, car elles seront refusées, ce qui peut vite devenir problématique, parce qu'en ce moment, les étrangers ne peuvent pas payer avec des cartes bancaires européennes. Le témoignage suivant, c'est celui de Arnaud. Elle va en Russie en septembre 2023, et comme elle est mariée avec une femme russe, elle a un visa privé voici ce que arnaud nous a raconté je suis marié à une femme russe, donc j'ai l'opportunité de pouvoir faire un visa privé. Le type de visa pouvait être un visa simple ou double entrée, mais la Russie vient d'ajouter un nouveau type de visa multi-entrée qui peut être valable 12 mois à compter de la date d'entrée. Vous pouvez voir la liste des papiers sur l'écran. Le petit frère de Arnaud va également aller en Russie et Arnaud nous dit que pour lui c'était plus rapide car il s'est rendu dans un centre de visa à Nice. Et elle a simplement dû fournir les dates du voyage et son passeport. Et le centre de visa, je pense qu'il s'agit d'un centre de visa privé, s'occupe de lui fournir une invitation et une assurance et lui délivre son visa sous du jours ouvrables. Le coût de l'opération est d'environ 200 euros. Recherche de vol. Il y a plusieurs escales possibles pour se rendre en Russie en ce moment. Nous avons également le témoignage d'Alexandre qui est allé en Russie en mai 2023 avec un visa touristique. Alexandre nous raconte qu'il a obtenu un visa touristique d'une semaine sans le moindre problème. Il a reçu en deux jours, ce qui est un record sur ces dix visas russes. Apparemment, Alexandre va souvent en Russie. Alexandre a pris un vol aller-retour d'Aeroflot. Aeroflot, Aeroflot c'est une compagnie aérienne russe. Et c'était un aller-retour en jusqu'à la ville de Samara. C'est une ville en Russie où Alexandre devait se rendre. Voici comment Alexandre décrit son passage à la frontière. J'ai été soumis à un interrogatoire. Pourquoi je suis là À quelle adresse je vais vivre À qui je vais rendre visite Aussi des questions si j'ai des liens en Ukraine. A préciser que je viens d'un pays inamical à la Russie. Maintenant, il y en a beaucoup de pays inamicaux à la Russie, malheureusement en ce moment. Une fois passé la frontière, rien n'a signalé, tout est la même chose que depuis l'été 2022 Pas d'inflation notable, tout fonctionne, tout fonctionne normalement et la vie est paisible Ensuite, j'étais curieuse et je demandais à Alexandre combien de temps a duré son interrogatoire Alexandre a dit que ça a duré 10 minutes et qu'il n'y avait pas d'attente avant d'y passer Concernant des questions à la frontière, je peux vous dire que moi, en tant que ressortissante russe on m'a toujours posé des questions quand je vais quelque part à l'étranger. On me demande aussi euh, le motif pourquoi j'y vais, si je vais avec escale, pourquoi j'ai pris une telle escale. On me demande où je vais habiter. On regarde hyper attentivement tous mes papiers. Et même récemment, je suis allée en Égypte pour rejoindre ma famille. Je suis passée par, euh, aussi par Istanbul un vol avec escale. C'était très fatigant parce qu'il n'y a pas de vol direct pour aller à Charm El -Sheikh. et du coup, j'ai dû passer euh, deux frontières. Tout d'abord, la frontière euh, en Turquie et ensuite la frontière en Égypte. On m'a aussi posé plein de questions. En Égypte, il y avait quelqu'un qui a pris mon titre de ce jour français et il est parti pour euh, 10 minutes quelque part. J'attendais comme ça. Au passage frontière, je ne savais pas. On avait pris euh, mon titre de ce jour, on l'a emporté. Finalement, ça s'est bien passé. J'ai pu euh, entrer et sortir. Et même à l'arrivée en France, moi, j'ai un titre de ce jour, pour vivre en France et euh, des douaniers français m'ont également demandé où est-ce que vous allez vivre, pourquoi vous rentrez d'Égypte. Pour moi, des questions à la frontière, c'est quelque chose de normal. Nous avons également le témoignage de Mathieu. J'ai changé son prénom, il s'appelle différemment, mais Mathieu, on va l'appeler comme ça, a préféré que je modifie son prénom. Mathieu est étudiant, français en Russie et il a un visa étudiant. Voici ce que nous dit Mathieu. Je suis étudiant en médecine à Moscou. Pour entrer sur le territoire russe, il m'a fallu un visa étudiant que je prolonge au ministère de l'immigration à Moscou. Il dure une année et on le renouvelle à chaque fois pour une durée d'un an. Pour la recherche de vol pour aller en Russie et revenir en France, Mathieu fait des escales en Turquie. Il est en ce moment en vacances chez sa famille en France et il va revenir à Moscou en septembre. Les billets à simple sont autour de 300 euros avec bagage et une escale raisonnable. Concernant le contrôle frontière, Mathieu nous dit que le contrôle était normal. Juste quelques questions, quelques fois, mais rien de bien méchant. L'atmosphère en Russie est normale, les gens vivent normalement et profitent de leur vie à Moscou. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience de voyage en Russie, vous pouvez le faire dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous voulez apprendre le russe de façon plus efficace et rapide, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mes cours supplémentaires de russe. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis, d'Assudaine. Au revoir.